Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 38e épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild sur Switch. Alors, dans cet épisode, nous allons continuer les sanctuaires qu'on n'a pas pu terminer parce qu'on n'avait pas le temps nécessaire pour les finir. Donc, on va regarder sur la carte de ce qu'il y a à faire. Alors, oui, comme j'ai dit, on va commencer par les sanctuaires qui n'ont pas été faits. On va faire le sanctuaire de Dakaka. Enfin, on a combien de sanctuaires à faire en tout, surtout? On a celui-là à faire. Celui-là. Et celui-là. Voilà, il y en avait trois encore à faire. Donc, une fois qu'on aura fait les sanctuaires, une fois qu'on aura fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la prochaine région. Et nous n'allons pas aller vers... On va quand même... Après, on réaffichera après la quête principale. Mais nous allons aller vers là, en fait. Cette région-là, on ne sait pas où c'est exactement. On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est que cette région. C'est surtout ça, parce qu'on sait où c'est. Alors j'ai bien... je vérifie, j'ai 1, 2 et 3. Ouais, j'ai 3 sanctuaires à faire. Et avant de faire les sanctuaires, nous ferons évidemment... nous allons faire l'amélioration de cœur. Parce qu'à partir de maintenant, je vais vraiment m'occuper des cœurs. C'est ce que je vais faire en priorité. Parce que l'endurance, on a vu que maintenant, je suis assez bien de ce côté-là. Et donc, il est préférable maintenant de vraiment commencer à améliorer les cœurs. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on se retrouve au village Goron. Voilà. Je suis un peu fatigué ce soir aussi au passage. Alors, du coup, la statue, parce qu'il y a toujours une statue en fait... Dans chaque village, il y a une statue. Et on va prier. Alors, un cœur en plus. Oui. J'avais oublié de valider. C'est con, hein. Et voilà. Et voilà, c'est magnifique. Alors c'est con parce que oui, il n'y a que 3 sanctuaires à faire. Ça aurait été sympa qu'il y en ait 4. Mais du coup, on va tout de suite se téléporter au premier sanctuaire qu'il y a à faire. Et c'est celui-là en fait. Le sanctuaire de Dakaka. Alors on se retrouve tout de suite. Alors ce sanctuaire se trouve... où exactement quand... Ah oui, c'est vrai, c'est le sanctuaire qui se trouve en fait à côté de... du pont d'Ordine. Voilà, c'est celui-là. Eh ben, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, hein. On va voir la surprise. Il y aura sûrement un truc à faire. J'espère que ça va pas être trop long. Ce serait vraiment bien que je fasse ces 3 sanctuaires et que par la suite, je commence à me diriger vers la prochaine région. Alors, nous n'allons pas aller voir la grande fée du village Cocorico parce que je pense pas qu'elle ait des trucs en plus à m'améliorer, hein. Mais par contre, on ira découvrir sûrement une nouvelle grande fée. On verra. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin ? J'ai même pas regardé le nom du sanctuaire, c'est con. Ah, durée de vol. Ok, durée de vol. Alors, qu'est-ce que c'est que ce donjon? Enfin, ce donjon, c'est pas un donjon, hein, c'est un sanctuaire. Alors déjà, je pense qu'on va littéralement s'envoler, c'est pas un problème. Et donc, on sait ce qu'il va falloir faire. Donc, waouh! Ah, ça fait un peu mal quand même. Donc ce serait bien d'utiliser ce qu'il faut. Hop là. Voilà, on se pose ici. Non, là par contre on prend pas de dégâts. C'est marrant d'ailleurs parce que... Ça, une fois de plus, j'aime bien parler un peu de physique, enfin de réfléchir un peu sur des détails. C'est que là encore, une fois de plus, c'est pas méga cohérent. Parce que regardez, là ici, paf, on prend un dégât, ce qui est normal, vous allez me dire, c'est vachement haut, enfin Link saute de vachement haut, mais là le détail, c'est que ici,
Regardez. Le bloc s'arrête brusquement. Hein. Paf, il s'arrête brusquement. Link est... Et avec l'énergie cinétique, Link se retrouve écrasé au sol, littéralement. Parce que si le rocher s'arrête brusquement, Link, lui, hop, continue. Et comme les accidents de voiture, c'est pareil, c'est le même principe. L'énergie cinétique qui fait que vous êtes propulsé vers l'avant lors d'un accident de voiture. Et si vous n'avez pas votre ceinture, vous traversez la vitre. Et voilà. Vous savez ce qui vous attend. Donc là, du coup... Après, il n'y a pas de réel choc. Je peux expliquer le fait qu'il n'y a pas de réel choc. Les pieds sont posés au sol, c'est juste un effet d'écrasement. Alors que quand Link est en l'air, touche le sol, il y a vraiment un choc. Donc peut-être effectivement que de ce côté-là, il y a un peu de logique. Alors du coup, ouais. Ah là par contre, ouais, là on prend des dégâts. Pourquoi d'ailleurs? Ah ouais, parce que j'ai sauté en fait, c'est ça. Mais du coup, qu'est-ce qui... Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'active? C'est quoi qui s'active, là, au fait? On entend quelque chose qui s'active, mais j'arrive pas à savoir quoi. Ah, mais la porte! On la voyait à peine s'ouvrir, en fait, c'est juste... Regardez bien. Ouais, c'est vachement bref en fait. C'est ça le truc. Donc en fait, faudrait réussir à... Ah ben, je sais ce qu'il faut faire. Je sais. On a deux solutions. Soit on utilise le cinétis. On va le faire au bon moment. Voilà. Soit on utilise le cinétis et donc on peut passer. Soit je vais faire autre chose. Ce sanctuaire me dit quelque chose. Hein. Il me dit quelque chose. Mais simplement, j'ai pas l'impression que j'avais fait comme ça. Non, ça marche pas. Bon, je prends plein de dégâts aussi. Hein. J'ai intérêt à faire gaffe. Je sais plus comment j'avais fait l'autre fois parce que ça me rappelle plus du tout. Je ne me souviens plus avoir utilisé le cinétis. Je pense qu'on va pas se prendre la tête en fait, on va utiliser le cinétis parce que sur le coup je vois pas comment on peut faire autrement. C'est ça le détail. Bon ben résultat voilà. Hein. J'étais en train de me prendre la tête à essayer de comprendre un truc. Alors il y a quand même un truc qui m'intrigue, c'est que normalement vous savez bien qu'il y a des coffres à chaque sanctuaire. À chaque sanctuaire vous avez un coffre. Donc du coup, où est le coffre? Il y a forcément un coffre quelque part. Hein. On va aller le chercher. Il est quelque part. Où est donc le coffre? À moins qu'il n'y en ait pas. Hein. C'est peut-être le seul sanctuaire où il n'y a pas vraiment de coffre. Par contre, vous avez vu qu'il y a un truc en hauteur. Il y a une autre porte en hauteur. Et un autre truc. Donc comment on peut faire? C'est ça qui m'intrigue. C'est que vous avez une autre porte un peu plus haut, à moins que... Non, 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 il n'y a pas de porte. Non. C'est le décor, en fait, c'est les grilles. Je pensais, en fait, que c'était... Une autre porte, mais non. Pas de problème. Waouh! On recommence l'opération. C'est marrant, c'est vachement simple, je trouve. Je trouve que c'est quand même beaucoup trop simple. Il doit forcément y avoir un coffre quelque part, mais bon, c'est pas grave. On passe. Bon, ben, j'ai perdu du temps. Hein. Voilà. J'ai perdu du temps. Déjà, j'ai perdu du temps à expliquer l'histoire de l'énergie cinétique. Et j'ai perdu du temps à essayer de réfléchir à un autre truc. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous me connaissez maintenant. J'aime bien perdre du temps. Toujours comme ça. Non, c'est pas ce que je vais faire. Et voilà. Passé. Alors du coup, le sanctuaire suivant. Ce serait quand même bien qu'on commence à aller à la prochaine région. Mais on n'aura pas le temps de faire grand chose. Hein. Ça c'est clair net. On n'aura clairement pas le temps.
Mais ce serait quand même sympa de commencer à découvrir la nouvelle région. Au moins arriver à la tour. Ça, ce serait bien. Alors maintenant que ça c'est fait, nous allons aller où? Le prochain se trouve... Il y en a trois. Hein. Ah ben, il est là. On se téléporte. Et ça, on sait où c'est. C'est le premier sanctuaire que j'ai débloqué dans la région d'Ordine. Parce que c'est la région d'Ordine. J'aime bien dire on se trouve dans la région du volcan de la montagne de la mort, mais c'est la région d'Ordine. Sanctuaire de Kyu Ram machin chouette. J'ai pas eu le temps de lire, c'est pas grave. On passe. Ah, maintenant ce sanctuaire. Ça va être quoi? Voyons un peu. Alors, le parfait équilibre. Ah, ah oui, ce sanctuaire. Bon, ça va être un peu plus prise de tête déjà pour commencer, hein, parce que autant le premier qu'on a fait là, c'était simple. Franchement, c'était très simple. Autant là, c'est marrant d'ailleurs. Il commence à y avoir pas mal de Zelda où on a ces systèmes de balancier. C'est marrant, hein. On avait dans Twilight Princess un balancier. Dans la... Non, pas la tour du jugement. Dans le temple du temps. Le temple du temps, on avait un système de balancier dans Twilight Princess. On avait un système de balancier dans Wind Waker aussi. Dans la tour des dieux, rappelez-vous. Où est-ce qu'on avait un système de balancier encore? Bah, je crois que c'est tout en fait. J'étais en train de me dire qu'il commence à y avoir pas mal de Zelda où il y a un système de balancier, mais ça fait que 3 Zelda. Alors peut-être qu'il y a encore un autre Zelda, dites-le-moi, hein, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a un autre Zelda où il y a un système de balancier comme ça, mais de mémoire, non, j'ai l'impression que non. Ça me dit rien du tout. Alors du coup, bah, là forcément, on peut rien faire de particulier. Ah bah oui, Cinétis. Bon, ça, Cinétis, ça marche, vous allez me dire. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Bon, ok, d'accord. Alors, c'est bien mignon tout ça, mais il faut que je prenne ces blocs. Comment on va faire? Ah, ça commence bien. Ça commence très très bien, je sais pas ce qu'il faut faire. Quand je vous ai dit que c'était un peu plus prise de tête, déjà, ben voilà. Des flèches bombes, peut-être? J'ai pas pensé à ça, les flèches bombes. On va essayer. Mais pour moi, ça me dit rien. Ça me... Ce sanctuaire me dit quelque chose, hein, clairement. Clairement. Je suis convaincu de l'avoir déjà fait une fois, ce sanctuaire. Mais par contre, me rappeler ce qu'il faut faire. Bonne chance parce que regardez, il n'y a absolument rien. Bon bah du coup, à mon avis, j'ai pas le choix. J'espère que j'ai encore des flèches bombes. J'en ai plus. Après, j'ai pas pensé à un truc, c'est que depuis le début, je me dis avec les bombes, mais c'est une caisse en bois. Ah oui, c'est vrai, c'est une caisse en bois. Je me dis, ça va exploser avec une bombe. Mais on a des flèches de feu. Donc j'étais en train de chercher dans des villages des flèches bombes, mais finalement on va s'en passer puisque j'ai des flèches de feu et avec un peu de chance ça va marcher. Avec pitié, oui. J'avais pas le choix de toute façon. Ou alors il aurait vraiment fallu des flèches bombes dans ce cas-là. Bon ben voilà, c'est bon. Eh ben purée. Ah, je me souvenais même plus du tout comment fallait faire. Alors ouvrir et forcément c'est la clé. Petite clé, merci. Eh ben voilà. On s'est débloqué. Ah, j'en ai passé du temps, hein, parce que là j'ai fait une grosse ellipse, hein. C'est même plus une grosse ellipse que j'ai fait, c'est carrément... C'est énorme. Alors du coup voilà. Et du coup maintenant, si j'enlève ces trucs-là, ça doit peser un certain poids, ces trucs.
Quand tu vois comment Link, il met du temps à soulever, ouais, ça pèse, hein. Ça doit peser pas un peu. Donc maintenant, je peux l'enlever, ce truc. Ah bah, on peut pas l'enlever. Ok, d'accord. Donc nous, en fait, ce qu'on voudrait, c'est déjà se mettre là-haut. Alors, pour le coup... On va prendre ce machin. Est-ce qu'on peut le poser? Ouais, bah on peut le poser, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est mignon, mais par contre, ce serait bien aussi que je me mette sur le truc. C'est bon là? Tu te relèves? Merci. On va le poser, on va grimper dessus. Ah oui, c'est vrai. Parce que ce serait trop simple. Ce serait quand même beaucoup trop simple sinon. Ouais. Bon, faut pas oublier. Donc en fait, il va falloir se démerder pour... Je crois plus ou moins savoir ce qu'il va falloir faire. Ah oui, mais du coup, j'ai cassé les trucs. Ah, c'est con, hein. Et du coup, maintenant, je suppose que ça va devenir un peu délicat. Bah ouais. Bah oui, ça va être délicat maintenant. À moins qu'on arrive à jouer avec le truc et puis le ramener là, en se démerdant. Ah ouais, on peut le pousser vers le bas comme ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est bien joué. C'est pas mal du tout. Du coup, le truc est complètement là-haut. Alors c'est vraiment un système de balancier. Déjà on va les remettre tous les deux, c'est cool. Ah! Je veux simplement le poser. Soulever, poser. Voilà, on le repose au centre. Ah bordel! Je me souvenais absolument plus de cette énigme. Est-ce qu'avec les deux poids, déjà, ça va faire en sorte que... Bah de toute façon, à mon avis, on va perdre encore des cœurs. Hein. Au pire, on perd des cœurs. Au mieux, ben c'est bon. Alors, attention! Ouais! Bah c'est pas gagné. Ah ouais, mais il faut aller vite aussi. Quoi qu'il arrive, à mon avis, il faut aller vite. Quoi qu'il arrive, il faut aller vite. Alors du coup, si je reviens dessus, est-ce que j'ai le temps de prendre une bombe avec moi dès que je jette? Ouais! Alors, j'ai la petite idée, mais ça va être un peu... Ça va être un peu spécial. On va faire le coup. On va tenter, on va voir. Ah, c'est pas possible ça! Allez! Ah, je suis mort. Ça a même pas explosé le machin. Ça l'a même pas explosé en fait. Alors recommencer. Oh, c'est énorme ça. Ah, oh, c'est énorme ce machin. Bon bah ok. Ok, donc en fait... Ouais bah ça recommence. Le parfait équilibre, hein. Le nom est dit en plus. Hein. Le parfait équilibre. Alors déjà, faut cramer ce machin. Et du coup, en fait, c'est peut-être pas comme je pense. Parce que ouais, je casse... Je brûle cette caisse, mais du coup, maintenant... À moins que...
Ouais, mais ça, de toute façon, je peux pas du tout le... C'est pas le genre de truc que je peux emmener. Par contre, ce que je peux faire... Ah, il faut recommencer, bien sûr. Pour y ouvrir. Un grand classique. Bon, à mon avis, on aura tout juste le temps de faire les trois donjons et puis basta, en fait. Enfin, les trois sanctuaires et puis basta. C'est tout ce qu'on aura le temps de faire, en fait. C'est un peu la loose, mais bon. C'est un peu la loose, mais bon, j'ai pas le choix. On va prendre les deux, hein. On prend les deux, on recommence l'opération. On va poser les deux. Parce que le but, en fait, dans l'histoire... Ah non, c'est pas ça le faire, attention. C'est genre, maintenant que j'ai posé ces deux trucs-là, j'enlève l'autre. Ah ouais, ça tient. Bah oui, normal, il n'y a plus de poids de l'autre côté. C'est tout à fait normal. Mais par contre, ce que je peux faire, comme tout à l'heure... Alors, c'est un peu chelou. Je peux pas. Bah à mon avis déjà pour commencer, si on a 3, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez? C'est qu'il y a une raison déjà. C'est pas mal ce genre d'énigme comme ça, faut réfléchir un peu, mais après ça fait perdre du temps. C'est ça le problème aussi, ça fait perdre du temps dans l'histoire. On recommence. Et là, du coup, je vais pouvoir... Normalement, je peux. Hein. Allez! Voilà, merci. J'en mets un ici. Je vais prendre le deuxième. Bah ouais, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Je suis bête. Et il y en a 3. Pourquoi ne pas en profiter? Donc là, forcément, le parfait équilibre... Allez! Allez, viens ici, toi! On va pas le poser tout de suite, du coup. Ah, est-ce que je peux grimper dessus? Oh, il aurait fallu grimper avant, en fait. Allez! Ah! Je grimpe dessus. Et du coup, maintenant... C'est reparti pour un tour. Est-ce que ça va suffire? Ou est-ce que je vais encore me faire voir? Oh mais non, mais genre... C'est incroyable. Le gros bordel pour réussir ce truc. Allez, un effort. Ouais, bon, c'est pas vraiment le bon équilibre. Mais du coup, ça m'empêche... de me faire avoir. Du coup, je vais au moins pouvoir ouvrir ça. Voilà. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Maintenant, il y a l'autre côté. On reviendra de l'autre côté après. D'abord, on va faire l'autre. Et l'autre, du coup, ben, c'est le même principe, à mon avis, hein. Allez, je te pose. Et dans l'histoire, à moins que je mette de l'autre côté. Allez. En fait, je peux pas descendre beaucoup plus. En fait, je sais ce qu'il faut faire. Ça va être relou. Enfin, relou, pas tant que ça. Ça va pas être tant que ça relou, mais du coup, ouais, ça fait perdre vachement du temps. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça fait perdre un temps monstrueux.
dans l'histoire. Parce que là, du coup, il faut que je prenne ce machin, que je recommence l'opération, que j'arrive à le baisser. Allez! Ah non! Ah tiens, c'est marrant. Je reste au-dessus. Cool! C'est cool! Allez, mon grand. Allez, mon grand. Ah, c'est incroyable, ça, en fait. Ça marche, en plus. C'est ça, le pire. Ça marche très bien. Et voilà, le coffre. Bon, ben, c'est vraiment le sanctuaire où j'aurais vraiment perdu du temps. Hein. 18-38, je n'ai pas la place nécessaire. C'est pas grave. On va se débarrasser d'une arme. On va se débarrasser de quoi? J'ai quand même envie de garder la torche, à moins que... Non, on va se jarter la torche. Je crois que c'est quand même bien d'avoir une torche. Hop là! Je jette ça. Je prends ça à la place. Espadon de chevalier! Merveilleux! Bon bah du coup, il n'y a plus qu'à recommencer l'opération. On va mettre ce truc ici. Et puis voilà, ce sera bon en fait. Parce que... Ah mais je peux pas les prendre. Pas assez près. Hop. Ah qu'est-ce que ça aurait été... Qu'est-ce que ça aurait été bordélique ce truc. C'est terrible. C'est bon ou c'est pas bon? Non c'est pas bon en fait, il faut carrément que je triche. Que je... Ah ça veut pas. Ah bah oui, il en faut deux. Il en faut deux, forcément. Bah c'est pas un problème. On n'est plus à une perte de temps près, hein. Clairement pas. Alors c'est bon là? Et voilà! Ah ouais, parce que la première fois, j'avais complètement oublié les pics en haut, c'est marrant. Je me disais, ouais, c'est vachement simple, en fait. Non, non, quand même pas, faut pas exagérer. C'est pas si simple que ça. Eh ben, bordel. Donc, du coup, il nous reste encore un autre sanctuaire. J'espère que celui-là sera simple, pour le coup. Donc le dernier sanctuaire se trouve... quel sanctuaire on avait encore activé? Je sais plus de mémoire où est-ce qu'il se trouve. Mais de toute façon on va voir sur la carte il y a dans quelques instants. C'est pas un problème. Alors, regardons un peu. Le dernier sanctuaire se trouve... On en a fait que deux pour l'instant, hein. Ah ouais, bah il est là. Sanctuaire de Mwakishito. Alors, il est où ce sanctuaire exactement déjà? J'arrive plus à représenter, enfin, à me remémorer où est-ce qu'il est exactement celui-là. Parce qu'on a vu où est-ce qu'il est sur la carte, mais au niveau du paysage, où est-ce qu'il se trouve exactement? C'est lequel celui-là? Et du coup, on va en profiter pour remettre la tenue classique. Ah, mais oui, c'est celui de... Du relais. Bon, alors du coup, on va reprendre la tenue classique, ça vaut mieux. On met ça, on s'équipe du pantalon ilien. Et on enlève ça. Et voilà. C'est cool. Alors du coup c'était le sanctuaire de je sais plus quoi. De toute façon on va vite le voir de toute façon. Guide de l'aventurier. Si vous êtes perdu, observez les alentours depuis un point élevé. Ouais bah c'est ce que je fais la plupart du temps en fait, hein, pour me repérer. Alors ouvrir la voie. Sanctuaire de Mwakishito. Oh. Oh je sens que ça va pas être simple encore. Ouvrir la voie.
Bon alors, au départ, je pense que ça va être relativement simple, je pense. Ou peut-être que ça va être plus simple que prévu, en fait. Parce que tout ce que j'ai à faire, a priori, c'est passer de l'autre côté. Mais là, faut se lancer, faut pas avoir peur, en fait, hein. Voilà. Faut vraiment pas avoir peur, hein. On y va direct. Alors, il y a cette boule. On va voir un peu de l'autre côté où est-ce que ça mène. Ah, il y a plein de boules ici. Ah, mais oui, voilà. Donc, regardez comment on va faire. Oh. Parce que là, du coup, de l'autre côté, on va voir un peu où ça mène l'autre côté, d'ailleurs. Wouah ! Le furieux. Bon, déjà, ça mène à un coffre. Bon, bah, il va être simple, celui-là, en fait. Il va être simple, c'est très très bien. Ça nous laissera même le temps de commencer la nouvelle région, finalement. Malgré le fait que j'ai perdu énormément de temps. Alors là, c'était quoi? J'ai même pas regardé. Épée de chevalier. 36-26. Ouais, j'ai pas la place nécessaire, ça on sait. Qu'est-ce que je peux me débarrasser encore? Bah, j'en ai plein de ces trucs-là, là. C'est impressionnant, j'en ai des tonnes. Et voilà, épée de chevalier. Cool. On se dépêche, s'il vous plaît. Oh, vite, 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 vite. Attention, danger. Ah! Oh la vache. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai même pas le temps de... J'ai même pas eu le temps de l'activer. Attends, c'est quoi le délire là? Moi j'ai bien le bon truc. Pourquoi je peux pas l'activer? Ben pourquoi je peux pas le... Voilà. En fait c'est vraiment au dernier moment qu'il faut faire. Donc en fait limite j'ai eu de la chance tout à l'heure à être pile en face et de pas être embêté. Alors là vaut mieux vraiment y aller comme ça. Non, 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 tu restes carrément... Tu restes comme ça, s'il te plaît. Tu me laisses passer. Et puis voilà, c'est bon. Ah, bordel. Bon, là, il y a tous ces trucs qui me dérangent un peu, là, mais c'est bon. Bon, ben voilà, c'est bon. C'est nickel. C'est parfait. Emblème du triomphe. Notre troisième. Ah, c'est fâcheux de ne pas en avoir quatre, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors du coup, maintenant, oui, on va commencer à se diriger vers la nouvelle région. Et je pense qu'on arrêtera la vidéo lorsqu'on aura activé le sanctuaire, ou du moins, non pas le sanctuaire, la tour, ou du moins lorsqu'on sera arrivé au niveau de la tour, parce que de souvenir, je crois que la tour, elle est pas évidente à activer. On verra. Alors, est-ce qu'on va pouvoir se téléporter relativement à côté? Regardez. La tour qu'on va activer, elle est juste en face de nous, là-bas. Et du coup, si on regarde sur la carte, il faudrait limite que je me téléporte pour aller au plus vite. Bon, après, ça va, je suis vraiment pas loin, là. Non, finalement, on va y aller à pied. C'est très bien, regardez. On est là. On est là, c'est très bien. De toute façon, peu importe par où on va. Peu importe. On va activer la nouvelle région. Et puis après, par la suite... Alors, oui, vous allez me dire, ça aurait peut-être pu être bien de naviguer un peu là ici, mais bon, ouais, faut peut-être que je pense un petit peu à me restreindre, hein. C'est parce que là, à mon avis, si je commence à naviguer partout ici, regardons un peu. Ah, ça aurait pu être bien de faire la vallée de Bellette là. Ça aurait pu être bien, hein. Mais bon.
J'avais dit qu'on allait au moins débloquer la nouvelle région. De toute façon, je pense que... chose qu'on va faire, c'est que... on ira dans la nouvelle région. Une fois qu'on aura terminé la nouvelle région, on repassera par ici, de toute façon. Je pense qu'on repassera par ici, et puis pour aller vers là, comme ça. Et on repassera par cette partie-là. Donc on fera ça plus tard. Si c'est pas un problème. Sachant aussi que faudra que je pense à revenir là ici à la montagne de l'Anel. On n'a pas encore été au sommet. Faudra y penser. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment plein de... non, c'est pas les coffres que je voulais en plus. Il y a plein de choses à faire. Alors détecteur Sheka, s'il vous plaît. On va revenir dessus. On va mettre sanctuaire. Voilà, merci. Ah, du coup, on va passer par là, oui. On va pas trop s'occuper de ces ennemis. C'est un peu osef. C'est des gros blobs, de toute façon, les blobs. Limite, maintenant, hein, on est tranquille de ce côté-là. Alors, est-ce que ce sont de nouveaux trucs, ça? C'est quoi ça comme bestiole? Libellule piment. On n'a pas déjà pris ça en photo? Si, on avait déjà pris ça en photo. Donc je pourrais farmer les libellules piment, vous allez me dire. Mais on va pas faire ça. Si on peut vraiment arriver jusqu'à la tour, ça va être cool. On a vraiment un pont juste au-dessus de nous et il est vraiment trop haut. Il est 10 fois trop haut le pont. On va pas pouvoir grimper dessus comme ça. On pourrait tenter, mais Link n'aura plus d'endurance très vite. Alors la priorité absolue, c'est vraiment direction la tour. La tour se trouve juste en face de nous là-bas. Et du coup, vous allez voir que ça va pas être si simple que ça d'activer cette tour. J'en ai des souvenirs quand même. Bah regardez déjà. Vous avez tous les... on les avait vus il y a 2 secondes. Des gardiens en fait. Des gardiens mécaniques. Alors nous avons visiblement... ah bah regardez, un inox. Ancienne caserne d'Akala. Eh ben écoutez, on va faire une marque. On se fera cet inox plus tard, ça y a pas de problème. Ce n'est pas un souci. J'aurais même pu faire la marque un petit peu plus loin. Effacer le tampon. On va juste faire la marque genre... où est-ce que je regarde? Je regarde là. Alors la marque serait peut-être plus vers là, on va dire. Voilà. Parfait. Alors, nous n'allons pas activer cet inox. Enfin, nous n'allons pas le déranger. C'est surtout ça. On va le laisser en paix. Alors, il y a un truc intéressant sur lui, apparemment, on dirait. Mais on s'en fiche un peu. Est-ce qu'on a des plats pour aller plus vite? Je crois que j'en ai fait un peu. Chutney fruit tempo. Oh oui, cool. Manger. Ça permettra d'aller un peu plus vite. Quand on peut le voir, déjà. Alors, les Korogu, pour l'instant, on va pas s'en occuper. Sauf si vraiment on tombe dessus pile poil. Mais on va pas trop s'en occuper. Alors les loups, c'est même pas certain que j'ai pris ça en photo en fait. Hein. Ah, j'avais même pas pris en photo, terrible. Alors les loups, on va se les faire. Il suffit juste d'en buter un et les autres partent. Alors ça, je crois que je vous l'ai jamais dit en fait. Je vais en profiter pour le dire. C'est que les loups, quand vous butez... les loups attaquent en troupeau généralement, ça c'est connu. Vous butez un loup, les autres vont s'enfuir. Enfin, normalement, hein. On va vérifier ça. Eh ben oui, ils partent. Enfin, je pense qu'ils restent un peu dans les environs, mais ils s'écartent. Ils ne viennent plus nous chercher des noises. Alors lui, par contre, on va le calmer un peu. Meurs, s'il te plaît. Je vais te faire ta fête. Ah, c'est trop tard, on l'a déjà buté, mon grand.
je crois bien que tu m'as sauvé. J'aurais pu m'en tirer toute seule, mais je te remercie quand même. Tiens, c'est pour toi, prends. Extrait de monstre, oh. Utilisé comme ingrédient, ce produit issu des recherches de Kilton donne un goût étrange aux préparations. On dit qu'il sert à cuisiner toutes sortes de plats de monstres. Oh. Ouais. Ben, ce sera à tester. Je vois à ta tête que tu te demandes ce que c'est que ça. Ouais. C'est de l'extrait de monstre. C'est un remède préparé par Kilton, le gérant de l'antre des monstres. Ah. Ajoute-en dans une recette et ton plat aura bien meilleur goût. C'est vraiment un produit merveilleux pour la cuisine. Alors... que c'est meilleur goût, on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresserait, c'est si ça a des propriétés particulières. Il paraît que Kilton s'intéresse énormément aux monstres et mène des recherches étranges. D'après la rumeur, il ne prépare pas que de l'extrait de monstres. Il fabrique aussi toutes sortes d'objets rares. J'aimerais bien le rencontrer au moins une fois pour savoir à quoi il ressemble. Ça fait un moment que je le recherche. Malheureusement, ce n'est pas quelqu'un de facile à trouver. D'après mes informations, il se trouverait près de l'étang en forme de crâne, dans la région d'Akala. Mais pour trouver cet étang, c'est une autre paire de manches. Alors, on nous parle de la région d'Akala. Ok. Est-ce que c'est la région dans laquelle on se trouve? Eh ben, on verra bien. Donc, nous, on va vraiment aller vers là-haut. Et pour aller vers là-haut, alors, on avait vu les gardiens tout à l'heure, hein. Comment on va faire pour grimper? Il pleut tout le temps, et en plus, il va y avoir de l'orage bientôt. Il va pas y avoir moyen de juste grimper, parce qu'il me semble qu'il y a un chemin, hein. Et là, apparemment, je suis en train de descendre, plutôt qu'autre chose. On va faire demi-tour, plutôt. Alors, on va enlever tout ce qui est métallique. On va prendre ça. On va enlever ça. Et on va enlever ça, voilà. On ne garde que notre gourdin. Enfin, c'est pas un gourdien, je sais même plus ce que c'est exactement. Une Dracomasuboko, voilà. Dracomasuboko. Donc, le temps que l'orage passe... Hein. Alors comment on va faire pour grimper? Il me semble qu'il y a un chemin. Je pense qu'on va au moins arriver jusque... On va... Je pense qu'on n'aura même pas le temps d'activer la tour. On aura tout juste le temps de se retrouver au pied de la tour. Et pour se mettre au pied de la tour, il faudrait déjà pouvoir grimper. What the fuck? Mais à force de courir aussi, forcément. À force de courir. Alors où est-ce que je vais grimper là? Il y a forcément moyen de grimper quelque part, hein. Que là, tout ce que je suis en train de faire, c'est tourner en rond, à chercher par où passer. En plus, c'est vraiment pas pratique tant qu'on n'a pas la carte. Ah, sanctuaire à proximité, cool. Donc, il y a un sanctuaire pas loin. Je suis pile devant, en plus. Ah, puis on va glisser, en plus, là. C'est terrible. Alors, il me semble que j'ai des plats au moins pour reprendre de l'endurance. Ah bah non, j'ai pu. Ah ça c'est chiant quand il pleut. On est obligé d'attendre, j'ai pas le choix. Après au lieu d'attendre de pouvoir passer là-bas, mais je peux au moins passer ici. C'est moins pentu déjà. Même s'il pleut, je peux passer. Et avec un peu de chance, peut-être que je peux contourner. Bah il y a forcément moyen de grimper, hein, ça c'est clair et net. Alors déjà, Link, arrête de grimper comme ça. Tu peux pas escalader. Voilà, on passe ici. Oh! Ah oui. Alors le sanctuaire il est où? Il y a un sanctuaire dans les parages.
Ah mais il est là-bas. Regardez, on va l'activer. Un petit sanctuaire, cool. Ça fera notre quatrième comme ça, c'est bien. Et en plus, j'ai même pas fait l'amélioration. Ce serait bien que je la fasse. Sanctuaire de Jizukafi. J'ai quand même envie d'activer avant de faire ce sanctuaire. Ce serait bien que j'active la tour. Je pense qu'on activera la tour. Dans le prochain épisode, on activera la tour et dans la foulée, on fera ce sanctuaire. Et comme ça, après, on pourra faire les deux améliorations dans la foulée. Ah bah, on pourra faire... Non, on a déjà fait l'amélioration. On pourra faire une deuxième amélioration. Alors, la tour est où? Elle est là-bas! Ah, mais j'ai un autre relais, j'étais en train de me dire. Eh bah, écoutez, on va activer ce relais. Je suis en train de m'écarter du chemin, c'est énorme. Relais du sud d'Akala, voilà. Le relais du sud d'Akala a été activé. Maintenant, on va pouvoir nous rediriger vers la tour. Et vous avez vu qu'il y a des gardiens. Il va vraiment falloir faire attention. Ça va pas être simple. Et rien que d'arriver au pied de la tour, ça risque d'être un petit peu long. Il est peut-être fort possible que je sois obligé de faire quelques ellipses. On verra comment je vais me démerder pour le coup. On va déjà essayer d'aller au plus droit. On va au moins se rapprocher le plus possible de jusqu'où qu'il y a des gardiens. Sans se faire repérer. Hein. Attention. Attention. Ça devient dangereux. Là, va vraiment falloir la jouer infiltration. On n'a pas le choix. Et s'il y a quelques monstres dans les parages, limite... On pourra s'y faire rapidement avec ce genre d'arme. C'est ça, viens à moi. C'est encore mieux. Alors normalement, l'autre, il va pas me repérer. Voilà, fais demi-tour, t'as raison. Alors toi, par contre, t'es... Ah non, je croyais que c'était quelqu'un, j'allais dire. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dessous? Voyons un peu. Perche grillée. Oh, vite, 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 vite. Attention, danger. Ah, du coup, maintenant, on va suivre le chemin, mais en faisant vraiment attention aux gardiens. Parce que cela, en fait, ça va être beaucoup plus dur de les battre avec le bouclier. J'aurais pu le montrer, mais bon, pour le coup, ça risque d'être un peu costaud. On va éviter. Oh, il fait mal, lui. Ah, il fait pas un peu mal, hein. Tu vas juste mourir, s'il te plaît. Voilà. Alors, Draco, Arc, Boko. On s'en fiche, on a beaucoup plus puissant. Alors, je vais quand même manger ça, hein. Merci. J'ai fait des plats, autant en profiter. Alors, hop, 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 il y en a un autre là, ici. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Gant de Bocoblin, viscère de Bocoblin et ceci. Alors, hop, 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 hop. Non, je voulais pas. Ouh, ça, c'est ce qui s'appelle une belle descente. Ça, c'est moche. Alors, regardons un peu. Où est la dernière sauvegarde? On va reprendre ici, c'est bien. On va reprendre là. Ah, je pensais pas qu'il allait me repérer. J'étais un peu trop près, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Parce que je vous assure, les gardiens volants, c'est pas la même. Pour les avoir avec le bouclier, c'est beaucoup plus costaud. C'est beaucoup plus difficile. À la rigueur, je pourrais faire un test. Hein.
Mais je fais une sauvegarde avant. Hein. Genre, on fait une petite sauvegarde ici. On va tester. Mais je vous assure, c'est pas la même. Ah, il y a encore lui. C'est bon, j'ai cette arme. Ah, meurt. Alors, re-sauvegarde. Hop, hop, hop. On dégage de là. On veut pas se faire repérer tout de suite. On va tenter un peu. Mais c'est plus délicat. De réussir ce truc, c'est beaucoup plus chaud. On va se mettre là, on va attendre. Ah, vas-y, repère-moi. Bon, ça va, j'y arrive. Bon, après, ça marche avec lui aussi. Hein. Vous voyez le nombre de coups qu'il faut? Bon, après, je suis bon. Hein. Je suis bien entraîné quand même. La preuve. Bon, là, j'ai loupé. Plus qu'un. Oh, oh, je suis là. Tu m'as vu? Oh, oh, et le mec il se barre. Eh, je suis là, hein. Et il commence à avoir peur. Attends, mec. Attends, on va le faire réagir un peu. Ah, non, c'est bon. Ah, mais genre... Genre, il se barre. Attends. Eh, je suis là, voilà. Voilà. Oh. Alors, par contre, vous avez vu un peu le nombre de coups qu'il faut? C'est clairement pas la même. Donc là, j'ai voulu faire un test comme ça pour vous montrer. Mais par la suite, le prochain... Hop, hop, hop. Les prochains, on va pas se les faire. Hein. C'est beaucoup trop long. Non! Ouf, j'ai eu chaud. Les prochains, c'est beaucoup trop long. On va pas s'y refaire. Et en plus, on récupère pas vraiment plus hein, de trucs. On récupère plus ou moins le même genre de d'items. Alors, on va attendre qu'il se barre celui-là. Hein. Parce que j'ai pas envie qu'il me repère. Normalement, il me repère pas là. Hein. Parce que... Ah mais c'est pas possible. Je fais pas gaffe en fait, c'est ça le problème. Heureusement que j'ai de l'endurance hein. Beaucoup d'endurance. Il serait bien quand même c'est que je fasse gaffe hein. Ah mais c'est chaud parce que là vous allez me dire, il va me repérer hein, un moment ou un autre. Il faudrait trouver moyen de... Ouais ben il m'a repéré. Et m'a repéré. On va juste dégager. On dégage. Alors par où on passe? Est-ce qu'on gruge? On passe par là? Ouais bon, on passe par là, c'est très bien aussi. On passe par ici. Flèche de bois s'il te plaît. Prendre. Après on a ces gros trucs là pour se les faire aussi hein. Bah oui. On a ces gros machins. Et on a des... Ah, mais attendez deux secondes. Oh, ça, ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse grandement. Il n'y aurait pas un Korogu quelque part. Là, ici. Oh, il y a forcément un Korogu. Dégage. Et voilà. Un petit Korogu. Quel petit malin, il était caché encore comme d'hab, hein. Alors sous les rochers par contre à mon avis, les rochers sont là vraiment pour me les buter, je pense. C'est fait pour. Et
Et par contre, pour celui qui est plus haut, et là, à mon avis, on va pas avoir le choix. Parce que grimper tout là-haut comme ça, non. Ça va pas être possible. Ça va être un peu délicat. Alors, il est juste là-haut. Après, je pense qu'il faut vraiment filer à toute vitesse. Dès qu'il va vers là. Alors là, il me repère pas. À partir de quand il me repère? Je pense que dès l'instant qu'il va vers la droite. Voilà. Vite, 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 vite. Dépêche-toi. Dépêche-toi, parce que là, à mon avis, c'est mort. Sinon... Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Oh, ça va être mort. C'est bon là? Bon là, tu me trolles là. Hein. Bon, on va le calmer un peu. Non mais j'ai pas d'arc aussi. Tiens, mange ça. Hop, 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 attention. Je vais crever. Si je mange pas un truc. Ah ben. On va manger ça. On reprend. Parce que c'est vrai, j'avais fait une sauvegarde. Enfin, j'avais repris ma... sauvegarde. Non mais genre... Ah mais c'est l'autre là. Ah, c'est l'autre avec ses flèches là. J'étais en train de me dire, mais d'où je prends 30 dégâts d'un coup là, hein? Ah, ils font mal, hein. Ils font pas semblant de faire mal. Mais genre, tu vas te calmer toi? Ah, mais ça suffit là. Ah, c'est incroyable. On va sortir carrément les grosses armes, ça continue. Ça. Meurs, s'il te plaît. Ah là, tu me repères plus. C'est fini. Il me repère plus. Alors, j'ai cassé une arme, je récupère celle-là. Ça, c'est quoi? Draco Arc Boko. Mouais. Draco Arc Boko, est-ce que j'avais pris ça en photo? Je sais même plus. Eh ben non. Voilà, c'est fait. Croc de Bocoblin. Alors là, par contre, là, ça va être le même bordel. Hein. Pour réussir à passer... Hop. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer ou non? Parce qu'il faut y aller en mode YOLO. Hein. YOLO. Je suis mal barré. Je vais crever. Oh, un petit demi-cœur restant. Waouh. Ça, c'est de l'esquive, ça. Hein. Ah, ça, c'était de l'esquive. Hein. Mais je suis passé en mode complètement YOLO. Hein. Alors, du coup, que reste-t-il à manger? Il me reste... Ouais, truc Volt. Ça sert à rien, mais bon. Ah, il est là, l'autre. Hein. Ce serait bien de me le faire. Mais on est arrivé. On est arrivé. Je vais faire une petite sauvegarde. On va pouvoir en rester là. Je vais tenter de me le faire à nouveau. On va tenter de se le faire. Allez. Je suis là, mon grand. Non, il m'a pas vu. Il me voit plus. Allez, je suis là, mon grand. On recommence. Tu vois, je suis là, regarde. Ah, il me voit plus, hein. Allez, on se fait. Ouais, normal, je suis beaucoup trop. Alors, attention. What the fuck? Ah!
Ah, comment ça se fait que je prends des dégâts? Bon, j'ai plein de boucliers, hein. Voilà. Oh, à mon avis, il va être long à buter, lui. Oh, ça va être long. Oh, ça va être long. Je te protégerai. On va reprendre la sauvegarde, s'il vous plaît. Non, pas sauvegarder. Charger. Oh, j'ai pris cher, là. Oh, j'ai pris cher. Est-ce que ça marcherait mieux avec les flèches? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu parce que les flèches, ça va être encore plus long. Ça va être encore plus long, les flèches. Mais en fait, ça dépend dans quel angle on se trouve, en fait. C'est ça, le problème. Faut vraiment un angle... Peut-être là, comme ça. Ouais, comme ça. Ça va être mieux. Ah, regardez, c'est beaucoup plus efficace. En fait, j'ai compris pourquoi ça marchait pas, parce que j'étais trop... J'en parlerai après. Voilà. Trois coups, c'est réglé. En fait, pourquoi ça mettait autant de temps? Parce qu'en fait, j'étais trop sous lui. J'étais trop en dessous. Résultat, j'arrivais pas vraiment à frapper son œil. C'est ça, le problème. Donc, en fait, ça marche très bien. Cette technique marche tout aussi bien. Mais voilà. Donc, cœur antique. Merci, c'est cool. Ça marche très très bien. Oh, il y en a un autre. Bah oui, forcément, il y a les autres. Alors, le truc, c'est que j'ai pas de rocher, j'ai pas de truc pour me les faire comme ça, eux. Donc, Osef, ceux-là. Ceux-là, on va pas se les faire. Complètement inutile. On va se remettre là où on était. Et on va s'en rester là. Allez, grimpe, Link, grimpe. Voilà, on est arrivé. Alors, on s'arrête juste ici. Regardez. Pour débloquer cette tour, ça va pas être simple. Parce que vous allez me dire, vous connaissez cette matière-là. Hein. Il n'y a pas de problème, faut pas aller dessus. Alors, vous allez me dire, il y a sûrement un passage. Oui, il y a sûrement un passage. Mais du coup, on y vient. Là, c'était la première partie. Et là, maintenant, ça va pas être, ça va être, ça va pas être évident du tout. Vous allez voir que arriver en haut de la tour, pour arriver en haut de la tour, va falloir réfléchir un petit peu. Ça va pas être simple, ça va pas être si simple que ça. Et du coup, ben, ce sera au prochain épisode qu'on va découvrir ça. Donc du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a quand même fini par faire ce que je voulais faire, donc c'est pas plus mal. Enfin, pas tout à fait, j'aurais aimé activer la tour. On n'a pas pu, c'est pas grave. On est au pied de la tour. Dans le prochain épisode, on activera la tour. Une fois qu'on aura fait ça, ouais, on... qu'est-ce que j'avais dit qu'on ferait après qu'on activera la tour? Ben déjà, découvrir la région, c'est sûr. Découvrir la région et, ah oui, faire le sanctuaire qu'on a débloqué. Faudra faire ça. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude. Et puis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous.